Le prestigieux bal de la Rose a eu lieu ce samedi 25 mars 2023. Le magnifique événement organisé par la Fondation Princesse Grace était à cet effet l'occasion pour la grande famille Grimaldi de s'afficher tous ensemble et en tenue de gala. Cette journée du samedi 25 mars 2023 était une pluie de strass et de paillettes sur le rocher. La principauté de Monaco a donc vibré au rythme du 67e bal de la Rose. Bien plus qu'un événement glamour, ce festival du bal de la Rose, organisé au profit de la Fondation Princesse Grace par la princesse Caroline de Monaco, a donc permis de venir en aide aux enfants défavorisés et aux personnes en difficulté grâce à la vente des sculptures et tableaux et une tombola de grande ampleur, comme l'a précisé le site officiel du groupe Monte Carlo SBM. Et accueilli dans la luxueuse salle des étoiles du sportif Monte Carlo, quelques membres de la famille princesse de Monaco, ainsi que de prestigieux invités triés sur le volet. Pour cette année 2023, la princesse Caroline de Monaco a choisi le thème Bollywood pour ce 67e bal de la Rose et a donné carte blanche à son ami Christian Louboutin pour l'imaginer. Pour cette soirée, exceptionnelle et tout aussi magnifique, la salle des étoiles s'est transformée en décor de scène d'un film bollywoodien aux accents fantastiques. Comme chaque année, l'attente est grande. Il faut avouer que le bal de la Rose avait dû être repoussé à deux reprises à cause de la pandémie du Covid-19. En 2022, ce bel événement glamour avait fait son grand retour et plusieurs membres de la famille princière de Monaco avaient joué le jeu en respectant à la lettre le thème imposé pour la soirée, c'est-à-dire le thème intitulé « Les années 20, le retour ». À cette occasion, Charlotte Kashiraki avait fait sensation dans une élégante robe Chanel blanc et noire, une marque dont elle est d'ailleurs l'égérie. La princesse Caroline de Monaco, quant à elle, attirait aussi tous les regards dans une sublime robe jouant sur des effets de volume et des motifs très art déco. Mais fort heureusement pour ce festival du bal de la Rose de cette année, les ragots prendront sûrement une autre ampleur étant donné que la ravissante princesse Charlotte de Monaco, épouse du prince Albert de Monaco, a une fois de plus brillé par son absence. C'est une grande déception pour de nombreux monégasques et fans de la princesse Charlotte de Monaco, qui était en quelque sorte impatient de revoir cette dernière lors de ce festival glamour. Mais qu'est-il arrivé à la princesse Charlotte de Monaco et pourquoi aurait-elle une fois de plus manqué à ce précieux rendez-vous important? Aurait-elle définitivement renoncé au festival du bal de la Rose? Telles sont les multiples questions que se posent de nombreux monégasques et fans de la princesse Charlotte de Monaco via les réseaux sociaux. Dans tous les cas, il est tout de même plaisant de savoir que la princesse Charlotte de Monaco ne souffre actuellement d'aucun problème de santé et que son absence a sans aucun doute été due à ses rapports toujours tendus avec sa belle-sœur et aînée des Grimaldi, à savoir la princesse Caroline de Monaco. Ainsi, on peut très bien comprendre qu'à cause de ses conflits avec sa belle-sœur Caroline de Monaco, le prince Albert de Monaco aurait donc décidé de répartir les tâches entre les deux princesses en confiant l'organisation du bal de la Rose à sa sœur Caroline et les événements de la Croix-Rouge à son épouse Charlène, et afin d'éviter que les deux femmes ne se rencontrent jamais lors d'un même événement. Dès lors, que pensez-vous de cette nouvelle absence de la princesse Charlène de Monaco au bal de la Rose 2023? Partagez-nous vos réponses dans les commentaires. Merci encore et à la prochaine.